Voilà l'as des as de l'aéronaval qui revient de mission. Il est content. Tout a bien marché. Ses manœuvres d'appontage sont parfaites. Et puis... Il a seulement oublié de sortir son train d'atterrissage. Il y a aussi le grand chef cuisinier qui oublie de saler le potage. Et dans l'industrie, il nous arrive aussi qu'un boulon soit oublié ou pas serré. Non, personne n'est à l'abri d'un oubli ou d'une erreur, et cela arrive même à des gens très bien, comme on dit. Tout se passe comme s'il y avait en nous deux personnes. Une qui sait très bien quoi faire et qui a toutes les opérations en mémoire, bien rangées dans des tiroirs. Et puis une autre, un genre de démon qui s'amuse à vider les tiroirs. Les conséquences peuvent être graves. Le grand cuisinier se fera agonir par son client. Le pilote sera mis aux arrêts par son commandant. Chez nous, en admettant qu'il y ait 1000 sources d'anomalies possibles sur une auto, même si chacune n'avait qu'une chance sur 1000 de se produire, alors on serait pratiquement sûr d'avoir au moins une anomalie sur chaque véhicule. Et pour notre client, c'est inadmissible. En production, une pièce mal positionnée, et c'est peut-être 5 ou 6 machines qui vont se déglinguer. Perte de temps, perte de qualité, de délai, perte de clients. Alors, pour venir à bout des démons en question, les gens ont mis au point des méthodes, plus ou moins efficaces. Les pilotes ont leur checklist. Chez nous, il existe des voyants qui indiquent la pièce correcte à utiliser. C'est l'aide au choix. Mais encore faut-il regarder les voyants. Mais surtout, il y a le principe du four à micro-ondes qui ne se met pas en marche si la porte est restée ouverte et que j'ai oublié ma main à l'intérieur. C'est bien évidemment le dispositif le plus efficace, car il bloque la suite des opérations s'il y a oubli, erreur ou anomalie. Chez nous, les dispositifs comme celui-là, qui traquent les démons de l'oubli, on les appelle du joli nom de Pokayoki. Pourquoi ce nom ? On vous le dira peut-être tout à l'heure. Celui-ci, par exemple, aide à faire le bon geste. Il empêche de présenter la pièce du mauvais côté. En voici un autre, traqueur d'anomalies, qui arrête le flux si une pièce est hors cote. Celui-ci traque l'oubli. Si j'oublie de serrer un boulon, la ligne n'avance pas. En fait, nous avons deux types de Pokayoke. D'abord, les Pokayoke d'opération. Ils s'assurent qu'à chaque opération particulière du processus, il n'y a pas d'erreur, d'oubli ou d'anomalie. Mais à supposer que nos lignes soient munies de Pokayoke d'opération partout où il y a des risques, est-ce que cela va nous garantir à l'arrivée une qualité totale? Eh bien, non. Et c'est là qu'entre en scène notre deuxième compère. Le Pokayoke de processus. Car nos démons de l'oubli, de l'erreur ou de tout ce que vous voulez ont plus d'un tour dans leur sac. Il peut y avoir eu erreur d'aiguillage, mauvaise transmission de l'information, mélange de pièces. Et puis, les loupés, toujours vicieux, risquent de réintégrer le flux. Et alors, adieu qualité. C'est donc lui, le Pokayoke de processus, qui s'assurera par des techniques diverses de l'homogénéité du flux. C'est-à-dire de l'absence d'intrus et de la bonne chronologie des opérations précédentes. Comment agissent-ils, ces braves petits? Là, il y a deux méthodes. Première méthode. Dès que mon Pokayoke détecte quelque chose de suspect,
Il donne l'alerte. Et fait dévier les éléments défectueux. Mais alors là, problème. Combien les gens mettront-ils de temps à réagir et à remédier à l'erreur? Et puis, on risque les recyclages intempestifs dont on parlait tout à l'heure. Deuxième méthode. Mon Pokaioke lui-même arrête immédiatement la production. Certes, il y aura quelques pièces mauvaises. Mais dans tous les cas, l'arrêt immédiat est la solution la plus efficace. Car cela coûte moins cher que de continuer à débiter des pièces qui ne serviront à rien. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Mais qu'il soit d'opération ou de processus, dans tous les cas, les Pokaioke nous aident à obtenir le zéro défaut et la qualité totale. Deux des objectifs de notre plan Mercure. Des Pokaioke, on peut en imaginer de toutes formes. Mais ce sont le plus souvent des dispositifs très simples. Il suffisait d'y penser, comme on dit. Et ce n'est pas du tout une affaire de spécialiste. C'est votre affaire à vous, gens des unités de production. C'est vous qui savez le mieux quelle erreur peut être commise à tel endroit, et c'est vous qui imaginerez votre Pokaioke le mieux adapté à la situation. Ce sera une de vos contributions au plan Mercure et à la recherche commune de la qualité totale pour la satisfaction du client. Bon, maintenant que le film est fini, on peut vous le dire. Pokaioke vient du japonais. Il faut croire que nos amis japonais ont inventé cela parce qu'ils étaient particulièrement vulnérables aux démons de l'oubli.